c'est quand même l'objet de l'Assemblée constituante qui verra le jour dans quelques temps. Sur le plan constitutionnel, nous avons eu le souci à Tacatl de penser un régime qui nous permette d'éviter les crises ou de les surmonter, du moins. Nous voyons aujourd'hui, sans être devin, que le paysage politique tunisien ne sera pas un paysage divisé en deux parties, une majorité, une opposition homogène, mais bon, il y a de fortes chances que ce paysage politique soit un paysage morcelé, divisé, divers. Ce n'est pas obligatoirement quelque chose de mauvais, parce qu'après une révolution, elle a besoin de s'exprimer. À Tacatl, nous nous sommes battus pour le scrutin proportionnel. Nous l'avons obtenu. Parce qu'effectivement, nous imaginions mal de commencer une révolution en confisquant la parole à des minorités ou à des petits courants de pensée. Nous pensons que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Le scrutin majoritaire ne l'aurait pas permis et nous sommes aujourd'hui favorables à l'inscription dans la Constitution du scrutin proportionnel. Ça, c'est la façon à laquelle on va arriver à s'exprimer, avec laquelle nous arriverons à nous exprimer. Concernant l'architecture du nouveau régime, j'avais dit que nous voulions avant tout avoir un régime qui permette de sortir des crises. C'est pour ça que nous avons le régime que nous proposons aujourd'hui est un régime basé sur l'existence d'un président avec des pouvoirs réduits. Mais ce qui nous différencie de certains autres partis, c'est que le président tel que nous l'envisageons aura un pouvoir de dissolution. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. De l'Assemblée nationale. Assemblée nationale qui sera une chambre unique. J'expliquerai aussi pourquoi nous sommes pour l'option monocamérale et pas pour l'option bicamérale. Enfin, un Premier ministre qui émanera du Parlement, qui sera responsable devant lui. Sur ces trois principaux acteurs, à ces trois principaux acteurs s'ajoute une Cour constitutionnelle qui aura un rôle de contrôle de l'action du pouvoir public et plusieurs autorités indépendantes qui, chacune dans leur domaine, devront intervenir pour...